Eh bien, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur ma première vidéo. Donc ça fait un peu bizarre. Mais écoutez, pour cette première vidéo, j'avais pensé à faire la démo de Forza Horizon. On va tout de suite lancer le jeu. Je suis désolé pour la qualité, je vais filmer avec mon portable. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc on va bien voir après la qualité, ce qu'on va donner une fois que ça sera affiché sur YouTube. Alors, pourquoi j'ai choisi cette démo Forza Horizon? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Forza, c'est un petit peu l'équivalent du Gran Turismo pour l'Xbox. Car oui, je suis joueur exclusivement d'Xbox 360, mais aussi joueur PlayStation 3 occasionnellement. J'ai les deux consoles. J'ai choisi cette démo de jeu parce que j'ai toujours aimé on va dire la série des Forza, qui a toujours été une bonne simulation d'automobile, vraiment, vraiment. Et je mise beaucoup sur ce jeu parce qu'ils vont refaire, ils vont essayer de retracer ce jeu, mais en univers ouvert, un petit peu à la Need for Speed, qu'on va voir. Je fais un vidéo commentary gaming live, donc j'ai jamais jamais joué au jeu, on verra bien. Bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que la musique est pas mal du tout. Ça en met déjà plein la vue. Je suis désolé si je bafouille un peu, c'est ma première vidéo, donc un petit peu impressionné, voilà quoi. Alors, on voit apparaître les touches. Bon, écoutez, de toute façon, dans un jeu de voiture, il suffit juste d'accélérer et d'arriver premier, donc ça doit pas être bien compliqué. J'espère que les temps de chargement vont pas être trop longs, parce que dans Forza, malheureusement, surtout dans Forza 4, je trouvais qu'ils étaient très très longs. De voir déjà au niveau graphique, c'est vraiment beau. Vraiment, il y a un détail du jeu qui est bien. La démo est en français, c'est appréciable. Le soleil brille déjà sur le Colorado et les prévisions annoncent du punch, du rythme et des avalanches de moteurs rugissants. D'après la rumeur, le champion au titre d'Arius Fint arriverait à Horizon aujourd'hui. Approchez-vous cette voiture, écartez-vous de son chemin, c'est pas vraiment le genre à aimer. On commence. La gâchette droite pour accélérer, classique sur Xbox. Alors, on peut voir déjà qu'il y a deux véhicules, donc ils ont bien 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 géré les choses. Comme j'ai dit, un angle ouvert à la Need for Speed, donc ça fait plaisir. On va essayer de le suivre. C'est bon, ah, toujours pas passé. La musique est pas mal du tout. On voit qu'on gagne des points en fonction de son style de conduite. A priori, j'ai pas trop le temps de vérifier et de regarder. Donc je suis un peu concentré sur la route. Alors, c'est quoi, une sorte de vidéo d'introduction? A priori, on va aller chercher une voiture. Encore un temps de chargement, ça me gaffe plus ou moins. J'ai horreur de ça. Je dois avouer que j'aime beaucoup les jeux où il n'y en a pas. Bon, une voiture imposée, Lancer Révolution. Donc déjà, ça dépote. On va rentrer avec de la Subaru Impreza. Voiture classique. On la prend dans quelle couleur? En bleu? Allez, en bleu.
Je vais pas trop parler pendant cette vidéo commentary, j'aime bien quand même un peu laisser vous laisser apprécier les graphismes et surtout les musiques et les commentaires des personnes qui parlent, donc on verra bien. Direct. J'ai toujours trouvé que cette voiture avait vraiment beaucoup de gueule, comme on dit. Bonne retranscription au niveau des moteurs. On sent en direct que c'est une Nancy Révolution. On a des bonnes sensations. Vraiment la bonne sensation de glisser. Un peu m'aider par les concurrents, toujours classique dans les jeux de voiture. J'essaie de ne pas partir dans le bas de côté. Oula, déjà ça commence. Je ne sais pas si on peut changer de vue, voilà. On va admirer quand même les beaux graphismes en vue intérieure. Toujours très bien retranscrit dans la série Forza. Je dois avouer que moi c'est la vue extérieure que j'ai toujours préférée. Je connais pas bien le circuit, hein, comme je vous ai dit, c'est une vidéo gaming hack direct. Hein. Je pense aussi qu'il y a les aides à la conduite. C'est pas par toit a priori, mais par pourcentage de progression, donc c'est peut-être une idée intéressante. À voir si c'est sur tous les circuits, c'est qu'une démo. Pour l'instant, je suis premier, j'espère que ça va rester. Bon, a priori, ça doit être une démo qui n'a pas l'air trop compliquée. Hein. Je suis mauvais au jeu de voiture, je l'assure. Si je l'ai fait exprès ou pas. On va voir s'il y a une deuxième course. Extra, ta première épreuve à horizon et tu as gagné la première place. Bien, elle est bien gentille, la dame. Merci d'avoir joué à la démo de Forza Horizon. Tandy, c'est le plaisir de vous offrir une voiture, la STR Viper 2013 dans sa livrée Gunstold, à retrouver dans le jeu complet à sa sortie le 23 octobre 2012. Donc ouais, déjà, vous avez la date de sortie. Bon, le reste, on s'en fiche. A priori, ils doivent me parler d'un rival. Donc, le rival, c'est Peach Boy, c'est un ami à moi sur l'Xbox Live. Il doit faire un meilleur score de moi, hein, je vois, tout à fait, il a fait 2 secondes de mieux que moi, donc tant mieux pour lui. Hein. non, je veux pas l'affronter, ou c'est parti. Allez, bon, merci. A priori, ça a l'air d'être un jeu vraiment bien. J'espère vraiment que les espoirs qu'on fonde dessus vont promettre à la sortie du jeu. Alors,
Ouais, ouais, la carte est bien faite. À mon avis, ça doit être assez grand quand on regarde. Plein de vues et tout. On va essayer, mais je t'en prie. D'accord. Vraiment un monde ouvert, hein. On choisit son épreuve et on s'y rend. Ça me fait beaucoup penser à la sortie de... lorsque les Need for Speed Most Wanted est sorti, sur la Xbox. Système de cartes en bas à gauche qui est vraiment bien fait, clair, dynamique. Il n'y a rien à redire. Ok, je me mange les rambins, les barrières de sécurité, pardon. On reconnaît bien la voix d'un GPS, toujours aussi moche. Et... elle m'avait dit de m'arrêter à côté. S'inscrire avec X. Dans les rassemblements, il s'agit d'épanouir la foule. Mais s'il faut une motivation supplémentaire, le comporteur pour la voiture en cas de victoire. Pas mal comme récompense, hein? On va voir ce que ça donne. Ford Mustang, vraiment une voiture qui m'a toujours plu. Je trouve qu'elle a encore une fois beaucoup de gueule. Une des meilleures voitures pour moi américaines. Le pilote et toi devez passer les points de contrôle dans l'ordre et foncer vers la ligne d'arrivée. L'avion a un plus grand rayon de braquage que toi, mais il est plus raté dans les droites, alors ça va être serré. Ok. C'est parti. Je vois que ce petit tracé au niveau de la route façon Forza est bien. On perd pas de temps comme ça, on se mange pas trop les barrières. Autant pour moi, j'ai rien dit. Bon, je vois que je suis deuxième, j'ai un petit peu accéléré. 2 secondes d'avance. Checkpoint là, façon laser boîte de nuit, ça me plaît beaucoup. Je suis passé premier. Il y a l'air de y avoir beaucoup de variété au niveau de musique. Sachez que pour moi, franchement, la musique dans un jeu, c'est vraiment très important. C'est ce qui donne avant tout le rythme dans un jeu. Je m'en fiche si les graphismes sont vraiment pas beaux, tout ça, mais la musique est très importante et surtout que ce soit très maniable, vraiment très maniable. Alors, on est à la moitié de la course. Toujours premier. Comme ça, vous pouvez voir si vous êtes joueur de Xbox et vous tombez par hasard sur ma vidéo, il y a mon gamer tag. Je vais pouvoir vous dire tout de suite pourquoi je m'appelle Falken 27 et 800, bon 27 c'est mon département, je suis proche de Paris. Falken s'est tiré d'un manga qui s'appelle Vision d'Escaplone. C'est un manga qui est en 22 épisodes, qui est pas très connu malheureusement, et j'ai toujours trouvé ce personnage très classe. Donc ça a été mon pseudo gamer tag depuis plus de 4 ans et demi sur le Xbox Live, donc aussi le même sur PlayStation 3, Falken 27 en minuscule. J'espère que je vais réussir à finir premier. Yes. Allez. Il a l'air d'avoir un méchant virage là. Non. Allez, j'espère que je suis premier.
Ça, c'est bon. Une voiture qui est plus rapide qu'un avion, on dira comment on fait. Donc de nouveau un concurrent, mais bon, vu qu'on est en vidéo test, ça sert à rien, c'est pour recommencer la tour. La course, ça m'intéresse pas. Non, merci. On va voir s'il y a une autre course. Il y a vraiment beaucoup de temps de chargement, vraiment, je trouve, dans cette démo. J'espère qu'ils vont améliorer ça pour la sortie du jeu. Yo, ça roule. Sérieux, tu donnes des bonnes leçons à ces champions du festival. Si tu veux voir que tu roules sur route ouverte, tu devrais passer à notre nouveau spot sur la colline de Glastonbury. Cherche mon dévoilé, c'est là qu'on est. Allez, sur ta carte, super. Bien, monsieur. Bon, alors ici, c'est fait. Là, médaille d'or. Bon, on va y aller, hein. Ok. Allez, on est parti. Ils se sont bien gavés pour les graphismes quand même, ça faut avouer. Aucun clipping, c'est-à-dire les graphismes qui s'affichent au fur et à mesure, hein, sur plus de voiture. Bon, il y en a de moins en moins, mais... Ok. Ok. Ça donne des points en plus. Waouh! Petite couchée de soleil, vraiment magnifique. Alors, pour préciser, je joue en Full HD, donc vous voyez que c'est un petit peu mieux que HD Ready. Là, je viens de m'acheter un nouvel écran. Bon, c'est vrai que ça fait. Il y a une petite différence quand même, hein, surtout au niveau des effets de lumière. Rien à redire. Ce jeu, franchement, je pense que je vais me le prendre. Peut-être pas à sa sortie, mais pour après, quand il aura baissé. Pour le moment, je suis pas déçu du tout, au contraire, vraiment agréablement surpris. On enlève de ce côté un petit peu simulation, c'est ça qui me rebute un peu sur les Forza que j'ai pas vraiment poursuivi sur la série. Je préfère un petit peu les jeux arcade, genre Need for Speed, on se prend pas la tête, c'est ce qu'on appelle du show, quoi, du show, hein, pas de terme. Ça met bien les voitures en évidence, tout ça, bonne sensation de vitesse. Bon, je prends à droite, ok. Ok, alors ça c'est super mal fait. On casse une espèce de cabane en bois, mais pas un grillage. Ça paraît logique. Enfin bon. La magie du jeu vidéo. Eh mon pote, t'as attiré mon attention. Maintenant, faut que tu gagnes ton RP. Fais voir que t'as envie. Dis donc. C'est vachement basé sur le défi ce jeu a priori. Ouh, une Viper. La nouvelle en plus de 2013. Ouh, ça va être bon. Allez, c'est parti. Les deux sont bien mis en évidence, sur pendant les temps de chargement. Ils ont pris, on dirait limite, des Photoshop vraiment bien magnifiques, quoi. Vraiment, rien à redire. Je vais en profiter pour faire une petite dédicace à deux youtubeurs que j'adore beaucoup et qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Je vais commencer d'abord par Jonah Berinado. C'est un mec que je connais à peu près depuis 3 mois. Il fait des vidéos délire sur PlayStation 3, je l'ai en abonné, donc je laisserai peut-être un commentaire dans ma vidéo de description avec le lien sur sa chaîne. Et le deuxième que je voudrais, c'est aussi Jérémy, qui est joueur sur Xbox comme moi, et il présente aussi comme moi des... comme moi. C'est ma première vidéo, donc je vais pas dire comme moi, mais ça fait un petit moment qu'il fait des vidéos de présentation de jeux. Il faut avouer qu'il a du talent.
J'aime beaucoup à chaque fois retrouver leurs vidéos de chacun dans leur style quoi. Jonah lui c'est des vidéos délire donc il me fait vraiment bien rigoler, le même humour que moi et tout. Donc franchement mec continue comme ça et encore une fois merci à chaque fois de faire autant de vidéos et surtout de bien t'éclater quand tu fais tes différents rôles. Et Jérém, on a quelques projets en commun, j'espère qu'on pourra les faire. Après maintenant à savoir si toi t'auras le temps parce que t'es comme moi quelqu'un de très occupé. Sachez que je vais pas faire souvent des vidéos commentary. Je suis quelqu'un de très pris par mon travail. Donc on verra au fur et à mesure quoi, si j'ai le temps sur ma journée de congé ou dimanche. Voilà. Bon on va commencer une nouvelle course. Oh ce bruit. Je sais pas ce que j'ai ramassé. Je sais pas trop ce qu'on ramasse là, je sais pas à quoi ça ressemble, c'est bizarre. Et les musiques encore sont vraiment bien entraînantes, ça fait plaisir, des bonnes musiques de jeu. Et c'est quelque chose qui se perd. Malheureusement, surtout dans les jeux de voiture. Ouais. Non, faut m'arrêter de me rentrer dedans. Ok, donc a priori ça a l'air d'être des checkpoints. Je suis 7ème, pas bien. J'ai du mal à prendre en main cette voiture. La sur le circuit aussi a l'air un peu plus difficile. Mais bon, on va voir ce que un petit parallèle, je sais pas si je l'ai dit, mais mon deuxième youtubeur, je mettrai aussi son lien de sa chaîne, c'est Jérémy74130. Je fais beaucoup de parenthèses, c'est mon style quand je parle et tout. J'aime bien expliquer, aller dans les détails, quoi, vraiment pas balancer une idée comme ça. J'aime bien que, voilà, quoi, qu'on comprenne vraiment ce que je dis. Quoi. Bonne sensation là, y a rien à redire. Je suis 7ème, c'est pas terrible. Bon, là je me suis pas bien débrouillé, pas bien même du tout. Je vais vous parler un peu maintenant de mes projets. J'ai pas vraiment de projets qui sont vraiment préétablis. Je ferai des vidéos quand ça me chantera, sur des vidéos où je me prendrai pas la tête. Le but c'est pas de vous prouver ouais je suis le meilleur et tout ça, c'est loin de là, loin de là. Donc ce sera souvent sur des démos, je pense. Ma prochaine vidéo commentary sera sur Final Fantasy XIII 2. Pour moi ça a toujours été la meilleure série de jeux. Depuis plus de 15 ans, c'est ma série de jeux. Vous allez comprendre pourquoi, je le dirai pourquoi, j'expliquerai tout dans ma prochaine vidéo. Bon, on va voir s'il y a une autre course ou pas. A priori non. Ça nous dit que. Acheter le jeu grosso modo comme je ferai à chaque démo quoi. Alors, continuez la balade. On va écouter, je crois que ça fait à peu près 25 minutes que je filme. Je vais arrêter la vidéo. Et j'espère que cette première vidéo de moi vous aura plu. Écoutez, aimez ma vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, n'aimez pas, peu importe, faites ce que vous voulez. Sauf ce que je vous demande, c'est expliquez-moi pourquoi dans les commentaires. Par contre, n'insultez pas. J'effacerai directement des commentaires d'insultes. Parce que, avant tout, c'est j'aime bien qu'on respecte les gens qui font des vidéos, tout comme moi je le fais. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous dis bon jeu à tous et à la prochaine.